الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Toute la louange revient à Allah subhanahu wa ta'ala, le digne de louange et de glorification. Nous le louons, nous le glorifions, nous cherchons refuge auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala contre les méfaits de nos âmes et de nos mauvaises actions. En réalité, celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide, il ne peut l'égarer, celui qui égare, il ne peut l'égarer. Et nous attestons qu'il y a des divinités qui méritent l'adoration, excepté Allah subhanahu wa ta'ala, et nous attestons que Mohammed est son serviteur et son envoyé. Après cela, très chers frères et sœurs, à la fois serviteur d'Allah, il n'échappe à personne que nous sommes à la veille d'un jour important, un jour plein de grâce, un jour de réjouissance. Avant cela, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, nous pleurons d'agréer nos adorations accomplies durant ces jours bénis, ces 10 jours de Dhul-Hijja, ces jours de Dhul-Hijja, et face à Allah subhanahu wa ta'ala, que notre jeûne de ce jour soit accepté, qui est le jour de jeûne du jour d'Arafat. Arafat, comme nous l'avons vu, est un jour où Allah subhanahu wa ta'ala a parachevé notre religion. Arafat, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala pardonne les péchés des serviteurs. Arafat, c'est le jour où Allah subhanahu wa ta'ala il a franchi le plus les gens de l'enfer. On demande à subhanahu wa ta'ala de nous accorder toutes ces grâces et tous ces bienfaits. En effet, le jour de Arafat, c'est le dernier jour, l'avant-dernier jour, les 10 premiers jours de Dhul-Hijja. Et c'est après cela que vient le jour de la fête. Et donc, il n'est caché à personne que demain, samedi, sera le jour, le 10e jour de Dhul-Hijja, qui marque le jour de Al-Eid al-Adha, c'est-à-dire la fête du sacrifice, qui sera demain, Inch'Allah ta'ala. On demande à Subhanahu wa ta'ala de nous accorder ce jour-là dans la santé, dans l'aisance ainsi que la foi. Très chers frères et sœurs, à la fois, c'est le jour d'intense adoration. Le jour de la fête est un jour pour le musulman d'adoration, est un jour pour le musulman de partage, est un jour pour le musulman et la musulmane de renforcement des liens de parenté et de fraternité. Par conséquent, il est important de savoir certain nombre de choses au sujet de cette fête-là. D'abord, puisque la fête même est appelée Eid al-Adha, c'est-à-dire la fête des immolations, ou encore la fête de Tabaski, comme on dit aussi la fête du couteau. C'est une fête durant laquelle on immole une bête pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, que pour lui, pas pour autre chose, pour autre considération, sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il est bon de savoir quels critères, quelles sont les conditions que cette bête-là doit avoir pour entrer dans l'éligibilité du sacrifice. C'est-à-dire quoi? La bête qu'on va sacrifier là. Quelles sont les conditions qu'elle doit avoir pour que ce
cela soit accepté d'avoir ce travail. C'est de cela que nous allons voir dans l'enseignement. Et après cela, on va voir aussi, comme c'est un jour de fête, quel comportement le musulman ainsi que la musulmane doit avoir, doit adopter durant ce jour béni-là, qui est le jour de la fête de l'immolation. On doit se rendre de faciliter la compréhension ainsi que la mise en pratique. En effet, le sacrifice de la bête ou l'immolation durant le jour de la fête est une sunna de notre père Ibrahim alayhi salam, lorsque Allah lui a demandé d'immoler son fils Ismaïl et il a sauvé Ismaïl de l'immolation par une bête à sacrifier. Et aussi, c'est une sunna aussi qui s'est perpétuée par la pratique de notre bien-aimé Mohammed alayhi salam, qui lui, lorsqu'il est venu, il a sacrifié le jour de la fête de l'Eid al-Adha. Donc cette sunna-là s'est perpétuée à son temps et en notre temps aussi c'est là et jusqu'à la fin du monde, cette sunna-là demeurera. On doit se rendre à la bonne compréhension et de faciliter la mise en pratique. L'immolation, en immolant la bête, en sacrifiant sa bête le jour de la fête, le serviteur, il veut par cela se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et bien par cela, plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en faisant cela, il accomplit l'adoration. Et pourquoi pas lorsqu'un sultan le Coran et dit à la Surah Al-An'am verset 162, qul inna salati wa nusqi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Allah il dit quoi? Il dit, en vérité ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah dit quoi? Inna salati wa nusqi, mon immolation, le fait que je sacrifie quelque chose, je sacrifie cela pour Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait que je verse le sang, je ne verse pas le sang pour des lots, je ne verse pas le sang pour montagne, je ne verse pas le sang pour le chèque, mais je verse le sang pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala, parce que c'est lui qui m'a demandé de faire cela. Ma vie appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ma mort aussi, par conséquent, appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et après cela, Allah dit dans la sourate Al-Kawthar, Inna a'atayna kal-Kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Il dit, on t'a servi, Muhammad, on t'a servi accordé le bassin d'Al-Kawthar, fasalli, prie pour ton Seigneur, wanhar, et immole, et fais le sacrifice pour ton Seigneur. Donc nous voyons à travers ces versets-là, que le fait de sacrifier une bête le jour de la fête est un ordre venant d'Allah subhanahu wa ta'ala et le musulman à qui Allah subhanahu wa ta'ala facilite les moyens doit s'acquitter de cette adoration-là. Aussi, le statut de l'immolation, est-ce que le fait de sacrifier une bête le jour de la fête d'accès, est-ce que c'est forcé ou c'est pas forcé? Est-ce que c'est obligatoire ou bien c'est pas obligatoire? Son statut est que obligatoire, à condition que la personne ait les moyens. À condition que la personne ait les moyens de s'acheter une bête et de l'immoler pour Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, si tu n'as pas les moyens de t'acheter une bête, Allah subhanahu wa ta'ala prendra l'état de tout chacun d'entre nous. Si tu n'as pas les moyens, alors là, il y a le pouvoir au nafsan et le sa'aha. Et concernant le statut obligatoire de voler la bête pour celui qui en a le moyen, le prophète Mohammed nous dit dans un hadith rapporté par Imam Ibn Majah, il dit celui qui est aisé et ne fait pas le sacrifice du jour des Aïd, alors qu'il n'approche pas l'homme de Sallah. Le prophète Mohammed lui dit dans un hadith rapporté par Ibn Majah, il dit celui qui a les moyens, celui qui est aisé, qui a les moyens de s'acheter un gabier, un mouton, un bœuf ou un chapeau pour l'offrir à Allah soit dans le jour de la fête. Il a les moyens mais il n'a pas fait. Le prophète lui dit, pas que ce dernier-là, il va approcher l'espace de prière des musulmans. Il ne faut pas qu'il va dans la prière où les gens vont prier pour la fête. Pas lui en bas. Cela montre la gravité pour la personne qui a les moyens et qui ne paye pas son calibre, son bouton, son bœuf pour immoler ce jour-là. Et là, c'est la vie des savants parmi les Hanafites et c'est parmi les Malikites. Aussi, derrière le hadith, rapporté par Imam al-Bukhari et Imam Muslim, le
frère Mohamed Sanson me dit, celui qui fait le sacrifice avant la prière, qu'il le refasse. Et celui qui ne l'a pas fait, qu'il le fasse. Donc là encore, ça montre l'obligation de faire l'immolation le jour de la fête. Il dit, si tu as tué ton mouton, tu as tué ton cabri, tu as tué ton bœuf, tu as tué ton chameau, avant de partir prier, il faut savoir que ça, Allah n'a pas besoin de ça. C'est pas ce que Allah lui a demandé. Donc ça montre que le fait de tuer le mouton, c'est une chose qu'Allah soit les recherches. Mais à quel moment? Pas avant la prière, c'est après la prière. Donc celui qui n'a pas fait pour lui avant, et après la prière, le poisson s'avait dit qu'il fasse son immolation, s'il a le moyen, car nous avons une compréhension. Maintenant, la bête qu'on va sacrifier maintenant, quelles sont les conditions qu'elle doit avoir? D'abord, le mouton ou la bête qu'on va sacrifier doit être en bonne santé. En bonne santé, et il ne doit pas avoir de défauts physiques. C'est-à-dire, tu vas au marché au mouton, ou au marché au bétail, tu vas voir un mouton, son oreille est déchirée, hein? Ou bien son œil est cassé, ou bien tu vois qu'il boit, ou bien corne est cassé. Ce genre de mouton, tu ne prends pas ça pour faire sacrifice. Tu dois voir un mouton, quand tu le regardes, quand tu le regardes bien, tu le touches, tu le tapes, tu bouges, tu sais que, ah, il est en forme, il n'est pas malade. Voilà, et physiquement aussi, il n'a pas les défauts. Donc, ça c'est la première condition, le premier critère de l'éligibilité du mouton. Après ça, on a l'âge. C'est pas n'importe quel mouton on va prendre pour tuer. Ou n'importe quel cabri on va prendre pour tuer. Ou n'importe quel bœuf on va prendre pour immoler. Ou n'importe quel chameau on va prendre pour immoler. Il faut que ce chameau-là, ou bien ce bœuf-là, ou ce cabri-là, ce mouton-là, il doit avoir un certain âge pour que tu puisses l'immoler. Et pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'aujourd'hui, avec la science, les aliments qu'on donne aux moutons là, à peine 2 ou 3 mois là, il est déjà gros. Parce qu'ils ont mis de vitamines dans lui, il est déjà gros, il est en forme. Toi, tu vas au marché au mouton, tu vois, ah ça, il est en forme. Mais il est en forme là, avec son âge là, il a arrivé pour faire, comment dire, sacrifier de la fête avec. Donc il est important aussi de savoir quel type de mouton, à quel âge de mouton, ou le bœuf ou le chameau est éligible pour être sacrifié pour la fête de la Tabaski. D'abord pour le cabri. Le cabri, lorsqu'il atteint 2 ans, et puis il rentre dans la 3e année, et là on le prend pour faire comme sacrifice. Donc ça veut dire quoi? Si on passe après la prière de mon on va au marché au bétail, on doit demander à Kabri, ça moi je vais établir pour faire ta partie avec. Il a quel âge? Soit il a 1 an, vous laissez. Soit on dit à 6 mois, vous laissez. Même si les costauds, vous laissez. Mais si on dit à 2 ans, 2 ans est passé, il y a 1 mois, il est la 3e année là, au bras, il est éligible. Même s'il est petit, même s'il est petit, mais s'il a 2 ans, il rentre dans la 3e année, il est éligible. Par contre, pour le mouton, là, il y a encore plus de facilité. Le mouton, s'il a 6 mois déjà, voilà, à 6 mois, les savants disent, on peut le prendre comme on va faire des sacrifices à 6 mois. Donc, si tu envoies, tu prends un mouton de 5 mois, il est en forme, il est costaud, hein, parce qu'il a eu des aliments pour engraisser tout ça. S'il a 5 mois, tu ne peux pas le prendre pour faire des sacrifices, parce qu'il n'a pas atteint les 6 mois. Mais si le vendeur te dit qu'il a 6 mois, alors tu peux le prendre pour faire la belle de sacrifice. Quand on doit avoir compréhension. Pareil pour le bœuf. Le bœuf et le cabri, c'est la même chose. 2 ans, lorsqu'il rentre dans la 3e année, tu peux prendre pour faire sacrifice. Donc, bœuf qui a 1 an, on ne peut pas sacrifier avec. Bœuf qui a 1 an, on ne peut pas sacrifier avec. Mais bœuf qui a tenu ses 2 ans, même si c'est 1 jour qui rentre dans la 3e année, alors ça, tu prends pour ton sacrifice avec. Comme dans la compétition. Aussi, le bœuf, il y a cette facilité-là qui est faite. On sait que c'est une bête qui est coûteuse et puis, vraiment, qui peut suffire à un homme, un certain nombre de personnes. Donc, l'islam a permis pour qu'on puisse s'associer
où Dieu veut. Mais le nombre maximum de personnes, c'est les 7. Vous êtes 7 personnes, vous pouvez vous cotiser, payer un peu, qui a atteint ses, qui est dans la troisième année, et vous voulez. Vous êtes 6 encore, ça marche. Vous êtes 5, ça marche. Le nombre minimum, aussi, une personne aussi peut tuer aussi, un peu, monsieur, il n'y a pas de mal en cela, s'il y a le problème. Quand vous avez une compréhension, plus facile à mettre en pratique. Pour le chapeau, on n'a pas chapeau ici, mais on va parler ça. Mais pour information, pour le chapeau, à 5 ans, et quand dans la 6e année, on peut prendre le temps aussi pour faire des sacrifices. Donc, après avoir vu tout cela, c'est-à-dire le statut du sacrifice, ainsi que les conditions de la bête, les conditions que la bête a sacrifié doit remplir, maintenant, on va passer maintenant au comportement que le musulman et la musulmane doivent observer durant la fête du sacrifice. D'abord, serviteur d'Allah, on doit savoir que les fêtes en islam, ce sont des adorations. C'est des ibadat, c'est des adorations. Vous ne voyez pas le ramadan, quand la fête de ramadan arrive, mais avant de faire la fête de ramadan, qu'est-ce que nous faisons? On fait un mois de jeûne intense, un mois de jeûne où on se recueille, où on s'isole, où on s'explique de tout, où on partage, où on fait tout ce qui est comme adoration durant le ramadan. Et pour couronner le tout, pour nous donner notre trophée hein, de cette privation, de cette adoration-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous envoie une fête qu'on appelle Eid al-Fitr. La fête de la rupture, à la fête de Ramadan. Donc, on mange, on boit, on fête, on est content, on fait la ziyara, tout ça. Pareil aussi pour la fête du sacrifice ou pour la tabassine. Avant de faire la tabassine de demain, inshallah, on a fait des jours d'adoration. Puisqu'on a un mois qui est sacré, le mois de Zulhijja, qui est le mois du pèlerinage, n'est-ce pas? Et durant ce mois-là, il y a les flèches, il y a les rappels, il y a les postes, hein, il y a des messages, des diplômes, tout quoi ça, on dit qu'il est important pour le musulman et la musulmane d'adorer à son travail durant les types de jours de Zulhijja. Et ils ont dit, il a été dit aussi que les types de jours-là sont importants que tous les jours de l'année. Donc celui qui pouvait gérer, celui qui pouvait être le Coran, celui qui pouvait faire les sadakas, vous pouvez faire toute votre adoration qu'il le fasse durant ces jours de Zulhijja, ces jours de Zulhijja. Et on a dit que le perdant, le plus grand perdant, c'est celui qui est resté inactif durant ces jours de Zulhijja-là et qui est passé sur lui comme ça sans qu'il ne puisse faire aucune adoration durant ces jours. Pourquoi? Parce que il ne s'est pas sûr que l'année prochaine encore, il pourra avoir ces 10 jours-là qui sont meilleurs que toute l'année. Et on a au 9e jour aujourd'hui. Et ce jour encore, c'est le jour de Arafat. En fait, on a jeûné, on est en train de jeûner ce jour de Arafat. On est en train de prier à la soirée. En fait, tu viens de chacun, on va prendre un certain nombre de maisons. Il va faire de l'adoration particulière. Tu as fait ici, tu as des chroniques, il va faire cela. Donc, après toute cette pratique de l'adoration, dans le recueillement à la soirée, après toute cette pratique à des pèlerins à la messe, on va faire ça actuellement, ils sont à Arafat actuellement. Ils sont là-bas, c'est à soleil, ils sont sous le soleil. C'est la pluie, ils sont sous la pluie. Après toutes ces fatigues, Allah subhanahu wa ta'ala, il va les donner la récompense de tout ça. Un seul jour qui est le soir, la fête, il y a une Allah qui a fait les tabassines. Donc les fêtes, ça ne s'appuie pas comme ça. C'est pourquoi les fêtes en islam, quand tu vois, c'est des choses qui. C'est spirituel en fait. Même le jeu de continuité. Quand vous avez fait une énorme grâce aujourd'hui, c'est le jeu de Arafat. C'est un jour qui est béni. C'est un jour qui est plein de grâce. C'est un jour où on a pardonné les péchés. Et puis encore, c'est un jour encore qui est un jour qui est béni. C'est un jour de grâce. Hein? C'est un jour où lorsque tu fais la soirée pour ça, Allah, Allah il t'a dit quoi? Mais si c'est le jeu de Dieu, qui fait la soirée ce jour-là, Allah fait la soirée de quoi? Hein? Et il faut savoir aussi qu'on tenait le pèlerinage qu'il a fait. C'était un vendredi, un jour de Arafat. Donc tout ça, c'est grâce à Allah nous donner. Et puis encore, on a une saison de pluie. Saison de pluie, on dit quand il pleut,
les portes du ciel, des cieux sont ouverts. Allah SWT accepte facilement les invocations. On est à Afa, on est vendredi, il est en train de pleuvoir. Donc on ne doit pas jouer avec ce jour-là. Chacun qui après la prière, il rentre dans le coin, il fait droit pour lui, il fait droit pour sa famille, il fait droit pour la communauté musulmane, il fait droit pour ses affaires. C'est pour ça qu'on doit profiter de l'opportunité quand la mort. Quand la bonne compréhension, il facilite la mise en pratique. Donc, quel est le comportement que le musulman et la musulmane doivent avoir durant le jour des fêtes? La première des choses, le musulman, le lendemain ou à la veille de la fête, lorsqu'il se réveille après la prière des fêtes, il doit d'abord remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Il doit remercier Allah subhanahu wa ta'ala parce que ce n'est pas évident qu'il puisse atteindre ce jour-là. Après cela, avant l'heure de la prière, avant qu'il se rende à la mosquée ou à l'espace de prière, il doit faire le grand lavage, la janaba, d'après le grand lavage, comme je le fais pour la prière de vendredi. Et comme je le fais pour d'autres situations, il fait la prière janaba. Il porte ses plus beaux habits, ou il porte un habit qui est propre, qui est présentable, parce que quoi? Il va vers Allah Santara. Il se parfume. Il se parfume ce jour-là. Pour qu'il ait une bonne odeur pour les hommes. Il se parfume. Et il commence à faire les sacrifices. Sacrifices, c'est quoi? Le jour, le matin de la fête, on ne sait pas, on va apporter pour les hommes. Tu es là, tu t'habilles bien, tu t'assois chez toi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wa lillahi alhamd. Pas pour des photos cassées, en train de poser, à télé, bonne fête, non. C'est pas moi, le mois de bonne fête, je vais faire, ça va arriver. Mais c'est pas moi, mais le temps de ton réveil, après tu vas juste avec la prière, tu dois remercier Allah SWT en faisant les sacrifices, en faisant les sacrifices. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah, Allah Akbar, wa lillahi alhamd. Aussi, c'est seulement pour la fête du sacrifice, Eid al-Adha, quand on se réveille, si on peut faire l'effort de faire un petit jeûne, on peut faire l'effort de faire. Quand il te lève matin, si tu peux faire le mort, tu peux guérir. Tu ne manges pas jusqu'à la prière a fini pour le faire. Car c'est comme ça le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam faisait. Contrairement à la fête de Ramadan, on a jeûné. Quand la fête a duré la fête d'arrivée, on mange avant de partir à la prière. Parce qu'on a fait un mois avant de jeûner, on va venir, on va mettre le jeûne en mode sur les gens. Donc, que tu sens ton corps sans qu'il n'est pas en gêne. Donc, tu manges avant de manger. Mais Tabassi, on a mangé tout ce temps. Donc, le jour de la fête, là, si tu peux, c'est pas possible. Si tu peux guérir, après, pas juste à l'heure d'après, la prière a fini, tu ne manges pas, tu vas la poser, tu reviens, tu viens couper ton petit jeûne. Et après là, il y a des remèdes, Inch'Allah, comme la bonne compréhension. Aussi, quand on va à la mosquée, il y a une manière de marcher pour aller à la mosquée. On marche en faisant le tadbir. N'ayez pas honte. Voilà, n'ayez pas honte. On a honte de faire le tadbir. Vous êtes en groupe. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wa lillahi alhamd. Les autres, ils font les fêtes là. Ils n'ont pas honte. Ils chantent, ils font les fêtes. Voilà, c'est comme ça. Nous, ça arrive, chacun est là. Mais quand tu fais là, quand on peut les gêner comme ça. Tu ne dois pas te gêner. Lui qui a fait un fait, il attend de faire, il attend de louer son Seigneur. Toi aussi, tu dois louer ton Seigneur. Donc, fais comme lui. Donc, on va le traduire pour aller à la mosquée. Et si on prend la voie à gauche pour aller à la mosquée, en venant, on prend la voie droite pour venir à la maison. Pourquoi cela? Parce qu'il est rapporté quoi? Que chaque prière que nous allons marcher, chaque prière que nous allons marcher, ils vont témoigner
Ils ont maintenant vu ce jour-là, quelque chose qui s'est lavé, qui s'est fait beau, qui s'est coiffé très bien. Pour ceux qui se coiffent, pour ceux qui viennent de cheveux, il s'est payé très bien. Il s'est parfumé pour les hommes et il est parti quoi vers l'espace de Juliette. Et quand ils vont le voir encore, les caries ont témoigné la voix gauche. La voix droite, ils ont plus de témoigner, ils ont plus de plus de ta fausse voix. Tu vois encore d'autres témoins encore qui viennent d'ajouter à ces autres pierres qui vont témoigner, Inch'Allah, par la Yama qui est mort pour toi. Quand tu as bonne compréhension, tu passes la mise en pratique. Pour ceux aussi qui empruntent les véhicules, c'est pas grave. Tu prends ta voiture, tu prends une petite voie pour partir au réseau du monde de voir. C'est la même chose. Les roues de ta voiture là, c'est considéré comme tes pieds. Quand tu as bonne compréhension, tu passes la mise en pratique. Aussi, c'est quand on revient de la prière, comme on a dit tantôt, on doit sacrifier son mouton ou son casier, son bœuf, peu importe ce qu'on a eu, on doit sacrifier cela. Et quand on sacrifie, il y a une manière de partager. Tu peux faire en deux tas, comme tu peux faire en trois tas. Mais il y a un tas là qui doit sortir. Ça sort, ça va où? Ça ne va pas chez ton voisin. Ça ne va pas chez ta voisine. Mais ça va chez ton voisin qui n'a pas tué de bête ce jour-là et qui en a besoin, qui est musulman, ça va chez lui. Pourquoi je préfère cette précision-là? Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, on se partage les biens, c'est comme c'est un réseau en fait. Voilà. Ah, il m'a donné des biens de l'autre. C'est pas cadeau, c'est pas un vrai cadeau, c'est un vrai cadeau-là. Après, ça va se faire tuer un mouton, tu donnes bien à ton voisin. Mais la sagesse qui est derrière ça, tu as tué pour Allah. Allah, il te dit, tu peux faire deux tas, tu peux faire trois tas. Un tas, c'est pour ta famille. Deuxième tas, ça sort. Ou bien, un tas, c'est pour ta famille. Deuxième tas, c'est pour tes proches, cousins, cousines, tantes, tonton, tout ça, grand-père, tout ça. Troisième tas, ça sort. C'est comme ça. Mais quand ça sort, ça va chez qui? Ça va pas chez lui qui a tué pour toi. Celui qui a tué le mouton comme ça, ça va pas chez lui. Ça va chez quelqu'un qui n'a même pas eu poulet pour tuer ce jour-là. Ça va chez lui. Demain, tu donnes Zakat al-Fitr, de base Zakat al-Fitr à ton papa, ni à ton tonton là. C'est de cette même manière aussi là. Les pas de mouton là, tu vas donner à ton voisin qui n'a pas eu poulet ce jour-là pour manger. Il ne sait même pas comment on a travaillé ce jour-là. Ça lui garde. Quand tu as bonne compréhension, tu facilites la mise en pratique. Aussi, les musulmans de la fête, comme vous le savez, la fête, c'est la fête. On doit manger, on doit bien manger, on doit bien boire la boisson qui est licite. Hein? On doit être en joie. Mais tout ça, on le fait comme Allah souvent a demandé. Il ne faut pas aller faire dans ma vie. Il ne faut pas aller faire dans ma vie. Il ne faut pas faire gré en quartier. Où tu vas inviter des amis non musulmans, c'est pas grave, tu peux les inviter, c'est pas grave. Il peut venir, mais la table là, il n'y a pas boisson dessus, il n'y a pas bière dessus. Parce que c'est une fête religieuse. Si vous voulez faire ça, après ce moment-là, partez faire ça dans d'autres coins, il n'y a pas de problème. Mais n'assistez pas ça à l'islam, ça n'a rien à voir. Ben, en vous voyant comme ça, quand les musulmans ils font ça. Moi, les musulmans, ils croient que la fête, ça ne les dérange pas. Vous rendez des choses difficiles aux prédicateurs et aux imams qui prêchent par vous. Et lui, il ne peut pas boire, c'est interdit. Mais si ta table, ton voisin est en train de boire, on ne sait pas si toi tu bois, mais c'est qui boit. Qui boit? Qui s'assemble ses sens? Quand tu as bonne compréhension, il facilite la mise en pratique. Aussi, le jour de la fête, on peut se dire joyeuse fête. Voilà, c'est là on doit se dire ça. C'est pas la Noël, c'est pas la Ramadan. C'est pas dans Noël, c'est pas dans décembre plutôt. On doit se dire bonne fête de Tabassi. C'est maintenant on doit dire ça. Bonne fête de Ramadan à Diaby. Bonne fête de Tabassi. On doit dire. On doit partager sur le réseau. Ça va être bonne fête. C'est maintenant on doit faire ça. C'est maintenant on doit appeler pour dire bonne fête. Si on doit faire bisous là, c'est maintenant on doit faire bisous. Bisous de fête, c'est maintenant on doit faire ça. C'est pas 31 décembre. Il fait 4. Quand on a bonne compréhension, il faut faire ça en pratique. Aussi, si tu as préparé, mais ça vient bien à ton voisin, qui n'a pas l'argent de préparer ça. Tu peux l'envoyer un plat de riz pour qu'il puisse manger. Tu fais ce que tu peux.
t'envoyer bien, si tu as préparé, que tu peux lui donner, tu lui donnes. Si tu peux pas lui donner, tu peux préparer même la viande là même là. Et puis lui envoyer ça en nourriture. C'est encore un bien sur un bien. Ouais, il ne suffit pas de donner bien à quelqu'un et puis il ne sait pas comment il va préparer la viande. Donc tu peux faire la part que tu avais sorti dehors. Tu peux préparer ça, tu prends l'intention, ah là, il y a pour moi même préparer ça ce jour-là. Je vais envoyer ça à les personnes qui ont fait. Pour lui donner bien dans le sachet là. Moi, j'ai préparé lui, il sort tout ça là. Et puis, elle partage ça à cette personne-là. Et puis, c'est bien que tu mets dans celui dans la maison là. Ça va directement chez cette personne qui ont besoin. Comme ça, ça fait un bien sur un bien. Ça fait un bien encore sur un bien qui n'est pas comme le bien de celui qui a donné dans le sachet vraiment à la personne. Ou bien, tu peux donner dans le sachet et puis mettre 1000 francs, 500 dessus pour qu'il te prépare. Tout ça, c'est un moyen bien encore. Quand tu as la bonne compréhension et que tu fasses la mise en pratique. Après cela, on a vu ce qu'il est recommandé de faire. Il est recommandé de faire tout ce qui est bon. Maintenant, il faut voir ce qu'il faut éviter. Monsieur n'en a pas eu. On doit éviter ce jour qui se met en colère. Le musulman n'est pas quelqu'un qui se fâche. Mais la colère, c'est inhérent à notre vie. On peut pas vivre sans se mettre en colère. Mais tu peux faire l'effort de te maîtriser. Surtout le jeu de la fête, c'est le corps de nous maîtriser. Pourquoi il dit cela? Lors même de l'immolation du mouton, des patates, tout ça, il y a les discours, il y a les petits palabres, il y a ces fâches, tout ça. On s'insulte, tout. Hein? Tout ça, c'est des choses qu'il faut éviter. D'autres, c'est dans le musulman, mais d'autres, ça va jusqu'à ce que c'est sur lui. Et même après la fête, il y a des gens même qui font la personne. Donc, si tu fais le corps, tu n'es pas en colère, fais le corps, tu n'es pas en colère. Voilà. Mais si ils t'ont offensé pour ce jour-là, il faut pardonner en cause de la soirée là. Et puis, il ne faut même pas penser à savoir après la fête. Aussi, il faut éviter le gaspillage. Le jour de la fête, on a remarqué, on prépare beaucoup plus qu'on en a besoin. On ne donne pas aux gens, ça reste à la maison, on mange, ça ne finit pas, on va baisser le lendemain. Allah n'aime pas le gaspillage. Il n'aime pas celui qui gaspille. L'islam, Allah n'aime pas. Quand on a bonne compréhension, c'est que nous passons la mise en pratique. Aussi, on doit éviter de déranger le voisinage. C'est vrai qu'on fait, mais le voisinage, faites très attention. Le Prophète, Allah a tellement insisté sur le droit du voisinage. Il dit qu'il a cru que l'on allait dire, si vous avez son voisin, il a une part de son héritage. Tellement il a insisté dessus. Il y a un article qui dit, la nourriture que tu prépares chez toi, si l'odeur rentre dans les narines de ton voisin là, tu dois lui apporter la nourriture. Là, ça montre vraiment l'importance même du voisin. Peu importe qu'il soit musulman ou non musulman, c'est un homme qui est ton voisin, même si c'est un animal, tu dois le considérer, tu dois le respecter. Et parmi les droits des voisins, on grille beaucoup, on ne respecte pas, c'est le bruit. Parce qu'on fait matin, on fait le soir, dans une cour, pas des communes, mais dans une cour commune, ou bien dans une cour où les voisins en gauche, en droite, on fait pas, on joue la musique. Ça, c'est à voir. Quand il y a une voisin, tu veux qu'il y ait ça par le quand on doit avoir une il ne faut pas faire tout à l'heure. Aussi, on doit éviter de fréquenter les lieux de désobéissance. On doit éviter de fréquenter les lieux de désobéissance et on doit s'écarter au maximum des désobéissances. Et on doit éviter aussi les habillements qui ne sont pas légitimes, qui ne sont pas islamiques. Voilà, on doit éviter les habillements qui sont islamiques. Surtout les parents, ils doivent surveiller les enfants. Veillez à ce que vous achetez pour vos enfants. Surtout nos petites soeurs et nos filles. Évitez de les faire porter les mèches le jour de la fête. Évitez de faire porter les mini-jupes le jour de la fête. Montrez-les que comment vous voulez qu'ils deviennent demain. Ta fille t'a dit à porter les mini-jupes, à porter les pantalons qui est pété partout. Mais demain, mais tu ne peux pas faire comme ça demain. Pourquoi, enfant de musicien, généralement il devient musicien. Enfant de joueur devient joueur, enfant de basketteur devient basketteur, enfant de boxeur devient boxeur, pourquoi? Mais ce n'est pas du boxeur professionnel là, il connaît un peu.
Parce que depuis l'infini là, il n'a pas été frappé. C'est comme ça. Enfant de joueur, on voit les joueurs par exemple sur YouTube. Hein? L'enfant là, il suit pour ça, rend la photo là. Mais si tu n'as pas un joueur, il sait jouer. Pourquoi depuis son bas âge, son parent lui a montré la voix que lui veut qu'il n'a pas suivi. Pourquoi il a inscrit sa femme dans sa passion? Mais tu mets Messi à mèche, couleur vert, rouge, vert, c'est la petite. Ah, elle même des trucs bizarres. Et en plus, elle a une photo de ça. Photo souvenir, c'est là, l'album. Elle vient voir ça. Oh, c'est moi. Elle va suivre la vie. Elle va suivre. C'est d'habitude. Pourquoi? Parce que c'est toi le papa, c'est toi le papa, c'est toi la maman. Tu l'as vu déjà. Toi le papa, tu as vu, tu n'as pas parlé. Là, on a une compréhension. Que nous passons la vie en parler. Maintenant, nous, les grandes personnes qui, durant ce jour-là, on fait les péchés. On doit prendre Allah de nous pardonner. Voilà. Et puis on doit prendre Allah soit Allah pour nous-mêmes. Parce qu'on vit aujourd'hui des morts. Mais comment on va vous dire, c'est la question qu'on se pose. Quand on a une compréhension, il passe la mise en pratique, il passe une mise en pratique. On doit prendre Allah que la même qu'on a fait durant ces jours la mise à tête de vous. On doit prendre Allah que le jour n'a pas qu'il y a un jour béni. Que ce jour de passé qu'il y a un jour béni. Que cette nuit qui a été descendue, c'est du grand enfant d'Allah. On doit attendre que toutes les invocations qu'on va faire durant ce jour soient exaucées. On doit attendre que nous sommes tous des péchés, grâce à nos péchés. On doit attendre qu'on a toutes les personnes qui sont derrière le cimetière. On doit attendre que nous sommes les tombes. On doit attendre que nous sommes les tombes. On doit attendre que nous les pardonner les péchés, d'élargir les tombes, de faire les tombes des jardins du jardin de paradis. Nous qui sommes en vie, on doit attendre que nous la parade de nos vies, de renforcer nos acquis. On doit attendre que nous devions. Sans cesse de droit chemin. Et car il a bien grand égard, Allah Ta'ala, de nous faciliter la compréhension et le retour vers la vigilance. Encore le matin, c'est pas un massacre de la vie, mais c'est un peu de l'homme. Parce que ça, c'est un peu de l'homme.